Elle est sortie du lit en disant garde mes cheveux, touche mes fesses. J'ai dit oulala, ça c'est interdit. Faut porter plainte, faire venir les CRS. Elle avait le sens de l'amour, jamais mais pas du tout celui de l'humour. La belle, on faisait des positions, j'avais jamais fait avant, mais on s'appréciait pas vraiment. On a personne dans nos vies, c'est nous les poules, les parias qui disons oui à tous les bras qui se tendent, et parfois même on en demande, tant c'est juste pour une nuit. Je me dis que je lui fais du bien, et elle doit se dire qu'elle m'en fait aussi. Et quand tout le monde s'est dit que tout cela ne m'est à rien, on se quitte en se disant merci bien. Je suis sorti du lit en demandant qu'est-ce que mon père pensait de moi. J'ai pas de panne, le cas de ma vie, tout ce que j'essaye ne marche pas. Je me retrouve en slip devant une fille qui ne m'aime même pas. Elle a pris une jolie pause en demandant s'il te plaît, joue-moi quelque chose. J'ai dit je ne joue plus gratuit, une fille que je viens de sortir de ce lit. Ça n'a rien à voir avec toi, mais faut que mon père soit fier de moi. Comprends-moi, c'est comme toi et moi. On aurait été plus contents s'il y avait eu des sentiments. Eh bien, la musique, c'est pareil, c'est un travail qui se paye. Et je suis parfois plus content lorsque je joue pour de l'argent. Mais pour toi, ce soir est exceptionnellement. Ce soir, Patrick est en concert, porte un vieux slip à son père. L'élastique ne tient plus très bien, mais j'ai promis de jouer tant que ça tient.